Oui, bonjour à tous. Je vais vous faire une vidéo donc pour Pokémon. Et donc c'est parti, on commence tout de suite. Alors, je vais affronter une Nidia. Et on va d'abord voir les médailles. Puis ensuite, je vais récupérer un Shinchidou que j'ai attrapé vite fait. Et voilà. Et voilà, ensuite on va aller voir une Nidia. Et j'ai acheté le plein, j'ai fait le plein de potions. Puis ensuite, voilà. J'ai fait tout ce que je pouvais. Ok. Ça va. Voilà. Alors, j'allume le PC. À quel PC est-ce que je peux voir? Et voilà. Ok. Déposer Pokémon. Alors, je vais déposer l'Arveillette. Mais l'Arveillette est un petit peu comme ça, mais on s'en fiche. Ah mince, faut que j'enlève. Pas lui alors. Allez, on dépose lui, on s'en fiche. Non. Maintenant, on va. Désolée de pas parler, mais je sais pas quoi dire vraiment. Je sais vraiment pas quoi dire. Et puis, bon, voilà. Maintenant, je vais voir les attaques qu'ils ont. Hein. Je regarde jamais les attaques qu'ils ont avant. Du coup, pas sûr ensuite, ça, je sais, parce que c'est les Pokémon que j'avais avant. Maintenant, non, mais oui. Alors, tourne à l'attraction, force cachée, régénération. Ok. Météore. Ah, ça, c'est une belle attaque, je trouve. Hein. Et berceuse. Ouh, berceuse, c'est pour endormir, à mon avis. Donc, berceuse, ça va être utile. Je vais beaucoup l'utiliser, cette attaque. Et voilà. Donc, c'est parti. Courons pour affronter une Nidia. Et là, je vais tout de suite utiliser ma bicyclette. Alors, ma bicyclette, elle est là. Et voilà. Hop là. Et c'est parti. Alors là, on va aller très vite, hein. Wouhou! Je connais le chemin par cœur pratiquement pour aller là-bas. Wouhou! 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 Allez, j'ai tout fait, j'ai fait mannequin, j'ai voilà. Les mannequins, ils étaient pas super faciles, hein, genre. Je vous préviens, j'ai fait plein de potions. Enfin, je vous l'ai dit, mais bon. La tienne ou la mienne? C'est le moment de y aller. Hop là, on y va, et puis j'espère qu'on va gagner, hein. Ouais, comme tout le temps. J'ai fait le plein d'énergie, de trucs pour rien. Et voilà, donc c'est parti. Elle commence avec son émolga, mais ce sera l'énergie qu'on va devoir attaquer, parce que je vais vous le dire. Elle va tout de suite changer de Pokémon, elle va utiliser son change d'éclair. Tout de suite, elle va tout de suite changer. Donc je vais vous montrer, je vais utiliser Vibraquoi contre son énergie. Voilà, c'est ce que je vous dis. Elle utilise change d'éclair, elle va m'enlever pratiquement beaucoup de PV. Voilà. Et maintenant, l'Emolga revient et sert l'énergie. L'énergie, et donc je vais le tuer avec Vibraquoi. Enfin, j'espère que je vais le tuer. Je vais utiliser une potion. J'ai 5 potions, 5 super potions. Donc, je suis servi là. Babouche. Excusez-moi. Oh, y a, mais c'est trop. Oh, carrément pas. Yeah, non, pas ça. Coquillable. Inésia utilise super potion, hyper potion. Voilà, on est pas mal. J'utilise ok l'âme et voilà. Ah, mais c'est nul, mais c'est nul, mais c'est nul! Bon, oh non, je suis pas arrivé. Bon, j'ai un antipara, donc ça va. J'aurais du mal à attaquer, mais bon.
Si je mets pas ça, je vais changer de Pokémon. Hein. Je vais tout de suite utiliser mon Jari qui va utiliser Bluff et qui va le tuer. Et après, il va être tourmenté. Mais bon, ça sert un peu à rien le Bluff. Pour là, en tout cas, là. Sinon, c'est super. J'adore comment les soins volaris. Mais oulala, là là, il va pas me tuer, mais il va m'enlever quand même un tir. Combo griffe ou bluff? Bluff, c'est mieux. J'arrive, utilise bluff. Hop là, toi t'es mort. Ou pratiquement pas, mais regardez-moi la petite barre de vie! Regardez-moi, il lui reste une minuscule barre de vie. La barre de vie. La barre de vie. La minuscule barre de vie. Purée, vraiment là, je suis déçue. Quoi, ça les échoue? Changez d'air! Oh non, je suis mort, je suis fini, je suis fini, je suis mort. Pourquoi je... Désolée, je parle pas parce que je ne sais pas quoi dire. Je vais juste me déchaîner parce que vraiment... Ils ont battu, ils l'ont battu, ils l'ont battu, mais c'est pas vrai. Ils ont battu Jari. Berceuse, voilà. Ce sera bien pour Emolga, ça. Enfin, s'ils me tuent pas. J'espère qu'ils vont pas me tuer, j'espère. Ouh là là. Ah mince. L'énergie, faut. Ça va quoi. Berceuse, ça va. Allez, berceuse, l'énergie s'est endormie. Hop là. Propreté, tu utilises Météore. Prends ça, mon gars. Hop là. Vite fait, je l'ai tué. Vite fait. Il me reste plus beaucoup. 700. Oh, pas mal. Niveau 30. Il ose monter à niveau 30. Incroyable. En plus qu'un niveau, il évolue en Glaviral. Alors, utiliser ne pas changer hein, l'Imolga est envoyé avec la berceuse, ça va bien à mon avis. Avec la berceuse je vais vraiment réussir. Je vais tout de suite utiliser une super potion et voilà, c'est vraiment un super combat là, je trouve hein. Et là je vais vraiment bien parce que j'ai battu son énergie, je le battais souvent d'ailleurs hein. Oh vive attaque, oh là, j'ai utilisé berceuse pour l'endormir hein. Quoi? Il utilise deux fois une attaque. C'est quoi ça? Oh non, c'est pas vrai! Oh non, il n'y a même pas marqué coup critique! Oh là 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 là, des Pokémon super forts! J'avais. Bon, le Zeblitz! Ah là là! Je vais utiliser Scrutella parce que je sais qu'elle peut arriver. Scrutella est vraiment, vraiment, vraiment bien. D'ailleurs, je vais vraiment faire beaucoup d'efforts pour que cette peau. Celle-là, elle évolue, hein, parce que là, on m'espérait là, elle sera déjà bien. Hein. Crocodile, embargo, tout. Rapalpsy. Ensuite, je déteste cette attaque à tel point. Ouh là là. Oh la petite barre de vie qui me reste. Oh là là. Rapalpsy, prends ça, mon petit débile. Elle va pas faire long feu là, mais. Enfin, c'est toujours ça, hein. Toujours ça d'enlever. Voilà. Scrutala et KO. Non mais oui. Donc on utilise non mais oui, masquellement, Elos. Ouais, on utilise non mais oui. Allez, c'est parti. Je ne l'ai jamais utilisé. Hein. C'est le premier combat que je fais avec non mais oui. On n'est jamais sûr de rien. Je viens de le capturer. Attraction. Oh purée, il connaît attraction. Mais purée, je t'aime non mais oui. Hein. Oh là là là. Mais pitié qu'il ne le tue pas. Mais pitié qu'il ne le tue pas. Oh ça va. Coup critique carrément. Oh. Les élites est amoureux. Il est amoureux de lui. Force cachée. Ouh là là, ça c'est bien. Quoi, il utilise quand même des attaques? Force cachée, prends ça. Oups, ouais. Force cachée, ça enlève vraiment pas beaucoup. Mais il est amoureux de non mais oui. Changer clair. Moi, je suis quand même mort. Hein.
C'est pas super cool, quoi, parce que vraiment là. Non, mais lui est KO. Ok, allez, c'est reparti. Il nous reste encore quelques Pokémon. Hein. Il nous reste deux Pokémon. Mais il est aussi un peu fatigué. Hein. Faut l'avouer, Masquelement. Contre Emolga, ça devrait aller. Hein, parce que Emolga maîtrise que des attaques, non. Bon, enfin, les attaques de type éclair comme change éclair doit leur faire un peu quand même. Emolga, hein. Vive attaque. Ah, c'est ce que je craignais. Assurance. Oh, c'est rien. Je vais faire un changement de Pokémon. Comme ça. Reviens à Masquelement. Allez, l'eau. Un tout petit effort là. J'ai battu un Pokémon. Ah bah. Ouais. Oh purée, il me reste un mini barre de vie. Bref. Une mini barre de vie. Mais non. Ouais, ça n'a pas suffi. Ah bah. C'est peine perdue là. C'est peine perdue, je vous avoue là. Je suis vraiment super déçue et. J'ai pas utilisé beaucoup de potions, hein. Je me suis dit si je gagne pas là, je réserve. Et voilà, c'est ce que j'ai fait. Donc voilà. Ben, je suis désolée, hein, j'ai perdu. Et je suis vraiment désolée, la vidéo va s'achever ainsi et voilà. Et voilà, et donc bon, la partie sera vraiment pas... Soit tout de suite, hein, écoutez, bon, soyons fous. Et salut à tous, j'espère que cette vidéo vous aura plu. À tout de suite pour la partie 2.